En question. Le président. President. Veuillez vous asseoir. Please be seated. The court is now back in session. We now would like to hand over to counsel for Mr. Kissampan to continue putting questions to the witness. You may proceed. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Rebonjour, Monsieur Noumaou. J'espère que vous avez pu vous reposer pendant la pause. J'en reviens à la question que je posais tout à l'heure, à savoir, et je vous demande encore une fois de faire bien attention aux questions que je pose, j'essaye de les faire précises. Et ma question est de savoir si, en dehors de votre poste au comité de village et ensuite au comité de la commune, est-ce que vous avez occupé d'autres fonctions pendant le Kampuchea démocratique? During the democratic Kampuchea regime, I was a member of the village committee. Then I was promoted to the position of a member of the commune committee. Et à part ces deux fonctions, avez-vous exercé d'autres fonctions, oui ou non? Response. No. Non. I worked in the commune only. J'ai travaillé uniquement à la commune. Hier, répondant à une question de mon confrère de l'équipe de Nunchea, et c'était à un petit peu après je retrouve les références dans le PV d'hier. Excusez-moi. Donc un petit peu après 10h28 dans le PV d'audience, enfin le projet de PV d'audience d'hier, avec l'autorisation de Monsieur le Président, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de traduction, je souhaiterais d'une part que l'on puisse afficher ce projet et d'autre part que mon confrère Khom Samun puisse lire en khmer le passage de ce PV. Le président, you may proceed. Allez-y. Council Khom Samun. Thank you, Mr. President. I would like to read this statement the witness Noumaou ready testified. Response. Du témoignage de Monsieur Noumaou. Réponse. Chan Si. Chan at that time I did not know this well because my memory à l'époque, je ne le savais pas bien. Has lost and I don't know whether he knew this or not because I got wounded in the battlefield and I had to continue buying medicine from Phnom Penh to cure my
de Phnom Penh sickness, and I could not go anywhere because I was very emaciated and I couldn't do anything else. Car j'étais très maigre et je ne pouvais rien faire d'autre. Hier donc, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez été blessé sur le champ de bataille. Et en répondant hier à mon confrère de Nunchea, vous avez indiqué que vous n'avez jamais eu de position militaire. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre dans quelles conditions vous avez été blessé sur le champ de bataille ? Response. I believe that it happened at the rear when I did not get injured yet. Je n'étais pas encore blessé. Mon confrère m'indique qu'il y a peut-être eu un problème de traduction. Il vous a été relu tout à l'heure un passage de votre déclaration d'hier dans lequel vous avez indiqué que vous avez été blessé sur le champ de bataille. Ma question est donc de savoir si vous n'avez pas occupé de position militaire, dans quelles circonstances avez-vous été blessé ? Response. Yes, I got wounded. Oui, j'ai été blessé. But that happened. Mais. Afterward. Cela a eu lieu après. When I was interviewed by the journalist, I was not yet injured. Je n'étais pas encore blessé. The injury was sustained at a later date. La blessure est venue plus tard. I got injured because I fell off the hammock. Je suis tombé en bas de mon hamac. Monsieur le témoin, je vous ai relu précisément hier, enfin vos déclarations d'hier. Vous n'avez pas parlé de hamac, vous avez parlé d'une blessure sur le champ de bataille. Est-ce que, oui ou non, vous avez été blessé sur le champ de bataille ? Response. In the battlefield, actually, I did not get injured. Non, je n'ai pas été blessé sur le champ de bataille. Bombs were dropped Mais plus tard, des bombes ont été larguées. And depuis because of the bombs, des avions, I got injured. J'ai été blessé à cause des bombes à location. Phnom Bat. And indeed, the bomb was dropped, and I fell from the hammock. Largué, je suis and tombé the fall caused great injury to my shoulder, and my shoulder was displaced. And I, when I coughed, you know, I could see blood et was coming. Du so sang. That's what happened. Et voilà. Je vais passer à un autre point. Let's move on. Vous avez indiqué que ces problèmes de santé ont eu pour conséquence que vous avez été écarté de vos fonctions au niveau de la commune. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Am I understanding your statement correctly? Response. Yes, it is correct. I was removed because I
got wounded and I could no longer be useful. Car j'étais blessé et je ne pouvais plus être utile. Est-ce que vous vous souvenez à peu près à quelle date vous avez arrêté vos fonctions au niveau de la commune? Est-ce que c'était beaucoup de temps avant la victoire des Khmers Rouges? Response. It was during the time when cooperatives were established to receive people who had been evacuated from Phnom Penh. Et vous ne vous souvenez pas de l'année? Do you remember the year? Response. No, I don't remember. Non, je ne m'en souviens pas. Je voudrais montrer aux témoins un passage des notes de M. Ben Kiernan à ce propos sur le document D 313-1.2.4.05 ERN en Khmer 00909038 ERN en français 00893547 ERN en anglais 00419460 En français, il s'agit du dernier paragraphe. In the French text, it's the last paragraph. Avec l'autorisation, Monsieur le Président, nous l'affichons à l'écran. Voilà les notes prises lors de l'entretien. Vous dites, selon Ben Kiernan, j'étais malade, je perdais du sang à partir de 1974. En 75, j'ai été évacué à Khum Vang, à Kampong Speu, après la libération. Est-ce que, monsieur le témoin, cela vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que c'est bien en 1974 que vous êtes tombé malade ou que vous avez été blessé? I fell ill in the year when the cooperatives were being established. La même année que les coopératives ont été créées. And at that time, they did not consider me as an important member of the committee, and they stopped using me already, and I had no more rights as a member. Plus de droits en tant que membre. Est-ce que, monsieur le témoin, il est juste de dire dans ces conditions que les séances d'éducation dont vous avez parlé devant cette chambre ont eu lieu avant que vous soyez malade, que ce soit les sessions d'éducation avec Tamok ou les sessions d'éducation avec Chaosi? Response. That happened before I did not fall ill avant and que je tombe I malade. Was still a member of the commune committee. Du comité de commune. And Chan Si et and Tamok
et Tamok. Convened. Organisé. Excusez-moi, encore une fois, je suis désolé de vous interrompre, mais je vous pose des questions précises, je vais aller pas à pas pour éviter la confusion. Donc, vous m'avez confirmé que c'était avant et je vais maintenant vous poser des questions sur ces sessions d'éducation. Première question par rapport aux réunions ou aux sessions que vous avez eues avec Tamok. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu une ou plusieurs sessions d'éducation avec Tamok? Response. People who participate, I only attended the sessions lectured by Chan Si, not by Tamok. Je n'ai participé qu'aux sessions présidées par Chan Si et pas celles présidées par Tamok. Hier, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous avez assisté à des sessions d'éducation de Tamok. Est-ce que vous le confirmez? Will you confirm that now? Response. My statement remains the same. I attended the session chaired by Zhu Jade and à la session présidée par Zhu Jade. Later on, et in suite, by the near the end of the session, then Tamok also came to Tamok give lecture. Est venu donner des cours. Ma question est de savoir si en dehors de cette, je vais prendre ça autrement, vous avez indiqué que la session d'éducation avec Zhu Jade s'était déroulée dans le district de Tpong, au nord de Wat Keo Tok. Je suis désolée pour l'accent. C'était hier, un petit peu avant 10h08. Est-ce que c'est bien dans ce lieu-là que la session d'éducation avec Zhu Jade s'est déroulée? Is that where the education session with Zhu Jade took place? The place where we attended the session was to the north of that pagoda near the riverbank. Était au nord de la pagode près. The session lasted for about 1 month. La formation and all countries from different communes were invited to attend the session. And these cadres who were in the political sections were all invited to attend the session. Ont été invités à participer and it was à la formation. The session was conducted at a school. Et ça a eu lieu dans une école. D'accord. Merci de ces précisions, monsieur le témoin. Je suis désolé. Encore une fois, je vous demande de faire bien attention aux questions que je pose. J'essaye de les faire les plus précises possibles. Donc, si vous pouviez répondre d'abord précisément à la question, et si j'ai besoin d'informations complémentaires, je vous le demanderai. Parce que mon temps est compté, et si nous continuons ainsi, je ne pourrai pas terminer dans le temps imparti. Vous avez donc parlé de cette session d'éducation, et si je comprends bien,
ce que vous avez déclaré juste avant ma question. Vous avez dit que c'est au cours de ces un mois de formation que Tamok, vers la fin de la session, est venu prendre la parole. Ma question est donc la suivante. En dehors de cette formation de un mois dans le district de Tpong, est-ce que vous avez assisté à d'autres formations données par Tamok? Response. I attended the study session as I already emphasized. Comme je l'ai déjà rappelé, j'ai participé à la session d'études convoquée par Chu Chet. Political matters. Session sur les questions de politique. To the or by the end of the session. Vers la fin. Then Tamok was also involved in lecturing on military. Écoutez-moi. Des présentations sur des questions militaires. Excusez-moi, monsieur le témoin, je suis désolé de vous interrompre à nouveau, mais là, vous venez de me répéter ce que vous avez déjà dit. Ma question était différente. Ma question était de savoir si, en dehors de cette formation dont vous venez de me parler, et j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, ma question est de savoir si, en dehors de cette formation, vous avez eu d'autres séances d'éducation avec Tamok à un autre moment. Response. No, I did not attend any other sessions. Je n'ai pas participé à d'autres sessions présidées again. Par Tamok après. Je vous remercie de cette précision. Thank you for that information. Vous avez également évoqué Uyun. You also mentioned hier, Uyun, à 11h21, at 11:21, et vous patientez un instant, je recherche les références. I'll just find the references for that. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on puisse présenter le projet de procès-verbal sur l'écran afin que Monsieur le témoin puisse le suivre. Donc hier, vous avez dit que Uyun était venu présider une assemblée et le lieu que vous avez indiqué est Wat Tengpo. Est-ce que vous souvenez de cette déclaration et est-ce que vous confirmez que Uyun est venu à Wat Tengpo présider une assemblée? Response. I attended that session along with other cadres from the sector level who also attended the session when matter regarding evacuation was discussed. And I heard that he argued that when
When we won the victory, then la victoire, population should not be evacuated. Il ne faudrait pas évacuer la population. That's what I heard. C'est ce que j'ai entendu. From him, I think he talked a lot more than this. C'est qu'il l'a dit. Je pense qu'il a dit plus que ça. He talked a lot more than this, but I just don't recollect all. Mais je ne me souviens pas de tout. Monsieur. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez en quelle année Uyun serait venu guider cette assemblée? Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs? Can you recall this? Response. No, I can't. Non, je ne peux pas. I cannot recall the year. Souviens pas. And again, I wish not to speculate. Et je préfère ne pas faire de suppositions. Je souhaiterais, avec l'autorisation de Monsieur le Président, que l'on puisse montrer les notes prise par Ben Kiernan, document D313-1.2.405, ERN en Khmer 00909939, ERN en français 00893548, ERN en anglais 00419461. La partie que je souhaite citer se trouve en français à peu près au milieu de la page. Voilà les notes prises a priori par M. Ben Kiernan le jour de votre entretien. Et selon lui, voilà ce que vous avez indiqué. J'ai vu Uyun une seule fois en 1972 à Teng Wat Po à une fête ou réunion. Je ne l'ai pas rencontré. Il n'a pas mentionné la présence vietnamienne, juste le mouvement populaire, début 1973. Est-ce que, monsieur le témoin, ces notes vous rafraîchissent la mémoire? Est-ce que c'est en 72 ou en début 73 que vous auriez vu Uyun à cette assemblée à Teng Wat Po? I do not recall the year. Je ne me souviens pas de l'année. Or the months. Ni du mois. Of that year. To my recollection, Mr. D'après mes souvenirs, who Monsieur Huyun came to brief all the cadres est venu faire un exposé devant les cadres. He said, upon victory, il a dit we must not evacuate qu'après la people. Victoire, il ne fallait pas évacuer les populations. I did not know him clearly je at ne that le time. Connaissais pas bien à l'époque. He briefed the cadres. Who were from il a pris the la parole devant les cadres qui venaient sectors. Des communes, districts et secteurs. He actually touched upon many matters il a abordé ranging un from, grand nombre de questions economics to comme political l'économie, matters. Les questions politiques a lot of issues were addressed et autres. In his speech, but
What I recall was that he said upon victory, we must not evacuate the people. Qu'il a dit qu'après la victoire, il ne fallait pas évacuer les populations. Est-ce que, monsieur le témoin, sans vous souvenir de la date, est-ce que vous confirmez ce que je viens de lire dans les notes de Ben Kiernan, à savoir que vous n'avez vu Huyun à Wat Teng Po qu'une seule fois? Yes, that is correct. C'est exact. Est-ce que vous avez assisté à d'autres rassemblements à Wat Teng Po? Did you attend other meetings at Wat Teng Po? Later, I did not attend any meeting in Tpong district anymore. Je n'ai assisté à aucune autre réunion dans le district de Tpong. And upon the training at Wat Teng Po in Tpong district, our commune committee members were never called for meeting in that place again. N'ont plus jamais été convoqués à une réunion à cet endroit. Je vous remercie de ces précisions. Thank you for this clarification. Donc vous n'avez vu Huyun qu'une seule fois. So you only saw Huyun ce matin, répondant à une question de mon confrère Copé, responding to a question de l'équipe de Nuancea, my learned colleague of the Nuancea defense team, vous avez indiqué Copé, you stated that que vous ne saviez pas si Unim était en faveur ou contre l'évacuation. Quand il vous a posé la question, et c'était ce matin entre 9h45 et 10h, selon mes notes, vous avez indiqué que vous ne saviez pas quelle était la position de Unim. Je voudrais maintenant projeter à l'écran et faire en sorte que mon confrère Kong Samon lise un passage de votre déposition d'hier, où vous évoquez et la position de Unim et la position de Kyo Sampan. C'est le projet de procès-verbal à 11h23. Et mon confrère Kong Samon va vous lire ce que vous avez répondu hier. We'll read out to you what you said yesterday. With Mr. President Leaf, I would like to read out. Quote, according to the position of Mr. Kyo Sampan, d'après les fonctions de Monsieur Kyo Sampan, he was in favor of the evacuation of the people. Huyun was against the evacuation, and Hunim did not were not in favor of evacuation of people either. À l'évacuation non plus. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Donc, Monsieur le témoin, je viens de vous relire vos déclarations d'hier, où vous avez indiqué que Unim n'était pas favorable à l'évacuation et que Kyo Sampan, lui, par contre, y était favorable. Ça, c'est ce que vous avez dit hier. Mais ce matin, à 9h45, entre 9h45 et 10h, vous avez dit ne pas savoir si Unim était en faveur ou non de l'évacuation. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre, premièrement pour Unim, est-ce que oui ou non, vous savez quelle était sa position? Can you tell the chamber what his position was? I did not know
about Hunim's position. Je ne savais pas quelles what étaient les fonctions I stated de earlier was about Hu Jun's position during the gathering in Wat Tangpo Pagoda. And I had never known Hu Jun before that gathering. Avant cette réunion, je ne connaissais pas and as Hu for Yun. Mr. Kyu Sampon, en ce qui concerne I never attended any meeting addressed by Mr. Kyu Sampon. Au cours de laquelle and il as for Hu Jun, he convened this Hu Yun, gathering. Il a convoqué cette réunion. He only made mention that if we conquered the war, que si nous gagnions la guerre, we did not need to evacuate the people. That's what Hu Jun said in his address to the gathering. As for Mr. Hunim and Mr. Kyu Sampon, I never met them and I never knew them either. Je ne les ai jamais connus. Je comprends bien votre réponse. Monsieur le témoin, well mais là encore, je voudrais que witness. Mon confrère Kang Samon lise une partie de votre déposition d'hier. Il s'agit toujours du procès-verbal temporaire, enfin, provisoire. Cette fois-ci, c'est un petit peu and après 11h27. Et vous évoquez la position de Kyu Sampon. La question de Monsieur le procureur à ce moment-là est la suivante. Comment avez-vous su que Kyu Sampon était pour l'évacuation? Et voilà la réponse que vous donnez et elle va vous être lue en Khmer. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I would like to read the quote. Quote. Je vais citer. Question. How did you know that Kyu Sampon was in favor of the evacuation plan? Au plan response. Réponse. I knew it during the gathering at Tangpo Pagoda, but I never knew Mr. Kyu Sampon. That's correct. Hu Nam, Hu Jun, Kyu Sampon, I did not know them. And I only learned about it when I came to attend the gathering at Tangpo Pagoda. End quote. Thank you, Mr. President. Fin citation. Donc, de votre réponse d'hier, on a l'impression que c'est à cette réunion à Wat Tangpo que vous avez appris quelle était la position de Kyu Sampon et de Hu Nim. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre, est-ce que oui ou non, vous connaissiez la position de Kyu Sampon par rapport à l'évacuation de Phnom Penh? No, I did not know his position. Je ne connaissais pas sa position. As I said, I knew comme the position dit, of Mr. Hu Jun, who addressed the gathering Huyun, at the time a pris la parole au cours de cette réunion. That evacuation of people from the city was not needed. Qu'il ne fallait pas évacuer les habitants des villes. As for Mr. Kyu Sampon and Mr. Hu Nim, Kyu Sampon et I Hu Nim, did not know them. Je ne les connaissais and pas. When I was attending that gathering, alors I did not à know cette them réunion, either. Je ne le connaissais pas non plus. That is it. Voilà tout. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur le témoin, et je passe à une autre witness. Ligne de questionnement. C'est bientôt I'll la fin. Go into another line of questioning and vous avez I will soon be indiqué done. Avoir assisté à une seule. You stated that you only attended a single. Le président. The president. Please hold on, Madame Counsel, Mr. Prosecutor. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Mr. President, I can only invite my learned friend to clarify, but in answer to the last question, des précisions.
with the extract having been read out from 11:28 from the transcript. Pour la minute 11:28 de la transcription. The first point I wish to make, that the question that was put was that the witness had found out at the meeting visait à savoir what Tang Po, ce qu'avait appris le témoin à Wat Tang Po. Y avait-il appris quelles étaient les fonctions de Kyu Sompon et Hu Nim? How had you found out or discovered that Kyu Sompon was in favor of the evacuation? So my question did not address Hu Nim, but it's been represented that my question did. Ma question a été and the second observation I have is that with the question being framed, d'après la formulation de la question, à savoir, saviez-vous quelle était la position de Kyu Sompon par rapport à l'évacuation, implicitement, cela veut dire que le témoin a compris que la question portait sur les fonctions de Kyu Sompon en général et pas sur son point de vue concernant l'évacuation. À mon humble avis, cela doit être élucidé. Oui, Monsieur le Président. Yes. Là encore, je comprends l'embarras de Monsieur le coprocureur, mais j'ai précisément fait attention à ce que l'on puisse citer in extenso en khmer pour qu'il n'y ait pas de problème de traduction. Ce qu'a indiqué Monsieur le témoin, j'ai également posé ma question en faisant attention de bien scinder la question sur Hu Nim et la question sur M. Kyu Sompon. La réponse de M. le témoin a été claire. Elle ne convient pas à M. le coprocureur. Elle n'est pas la même que celle qu'il a donnée hier, peut-être. Mais aujourd'hui, je n'ai absolument pas posé la question de façon confuse. C'était clair et encore une fois, j'ai bien pris la précaution de faire en sorte de citer le transcript en khmer pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc je demande à la Chambre, bien sûr, de ne pas tenir compte de l'objection de Monsieur le procureur et de me permettre de finir mon interrogatoire qui arrive bientôt à son terme. I also request the Chamber's leave to complete my examination of the witness. The President, Counsel, you may continue your line of questioning. And please indicate the time you expect to conclude your questioning of this witness, because your request time of 45 minutes has already lapsed. The President, please hold on, Counsel. Veuillez patienter, Maître. Mr. Numau, if you have anything to Monsieur say. Monsieur Numau, avez-vous quelque chose à dire? Oh.
Monsieur le Président, je ne sais pas quelle est la situation de santé de Monsieur le témoin. Je n'avais que 5 minutes supplémentaires sur Tamok comme question. Si vraiment son état ne lui permet pas de répondre aux questions, je n'ai pas d'inconvénient à mettre un terme à mon interrogatoire maintenant. S'il évidemment est en position de tenir encore 5 minutes, je souhaiterais pouvoir lui poser ces questions, mais s'il ne peut pas, je renoncerai à ces 5 minutes de questions supplémentaires. Donc, je tenais à ce que vous ayez ma position en fonction de ce qui sera dit. Si vous ne pouvez pas prendre plus de questions, je n'aurais pas d'accord avec mon examination de witness à ce juncture. Le président, la parole est à l'accusation. Mr. Prosecutor, you may proceed. Mr. President, Monsieur le Président, I do rise at this stage because this evidence in my submission is being left in an unsatisfactory position. Ce témoignage en est à un stade. If the prosecution had the right of re-examination, we would. We do not. The juxtaposition of the use of the word position with the answer, I did not know him, I did not know either si of them, leaves this répondu, important piece of evidence je ne connaissais aucun des deux. Unclarified. I cannot re-examine. The cross-examination is moving, I think, to another point. All I can do in these circumstances is to invite you or other judges of the court to clarify the answers given by the witness ou demander aux at some stage. Thank you. La déposition du témoin à un stade ou à un autre. Je pensais, Monsieur le Président, que vous aviez déjà rendu une décision à ce sujet. Donc je ne comprends pas pourquoi Monsieur le coprocureur revient dessus. Je précise que dans sa réponse à la question. The President, Counsel, you may resume your last questioning because you have only 5 more minutes. The additional questions will not be entertained. Vous ne pourrez pas poser des questions supplémentaires. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, un dernier point que je souhaiterais aborder avec vous à propos de Tamok. Vous avez indiqué qu'il était en charge des affaires militaires. Devant cette chambre, un témoin, M. Choukrin, qui était militaire, est venu témoigner. Première question, est-ce que vous connaissiez M. Choukrin? My first question to you is, do you know Mr. Choukrin? No, I don't. No. À l'audience du 23 avril 2013, un petit peu avant 11h23 et un petit peu également après 15h49, ce témoin a indiqué que Tamok utilisait un slogan qui était connu, qui disait, en français, ça a été traduit comme ça, au-dessus de Tamok, il n'y a que son chapeau.
nothing but his hat. Ce même témoin and the same précisé pointed out. Et je demanderai l'autorisation and may I request de mettre en Khmer ce slogan. Enfin, ce, plutôt l'extrait de l'audience du 23 avril 2013, E1-182.1, après 15h49. Voilà comment il décrit un tamok. Quand tamok, par exemple, ordonnait aux troupes de faire telle ou telle chose, par exemple, d'aller au combat, il fallait le faire. Si je n'établissais pas de rapport détaillé, il pouvait sortir son arme à feu et tirer sur nous. Parfois, il était bon, parfois, il était très cruel. Fin de citation. Est-ce que monsieur le témoin au sein de la zone ouest et nord-ouest, vous avez entendu de pareils incidents relatifs à Tamok, et est-ce que cela correspond à ce que vous savez de la personnalité de Tamok et de sa réputation à l'époque? I am trying to recollect. J'essaie de me souvenir. I cannot recollect it because it has been je ne m'en souviens plus, quite a long time car cela remonte now. À bien longtemps. Eh bien, monsieur le témoin, je vais vous laisser vous reposer parce que je n'ai plus de questions à vous poser. Et je vous remercie, monsieur le président, des 5 minutes supplémentaires que vous m'avez accordées. The President, le président. I hand la parole over to est à Judge Silva Cartwright. You may proceed, Judge. Thank you, President. The chamber wishes to respond to the prosecutor's comment a few minutes ago, simply to say that it notes the comment and will take it into account when the chamber evaluates this witness's evidence. Thank you, de President. Cette personne. Merci, Monsieur le Président. The President. Le Président. Thank you, Judge. Merci, Madame la Mr. Juge. Mr. Numau, Monsieur your Numau, testimony has come to an end now, and you are no longer needed before the chamber. The chamber wishes to thank you for taking your time to testify before the chamber over the last 2 days. We note that you have endeavored to answer all the questions put by all parties involved. We hope that your testimony will contribute to us attaining the truth, and we wish you the best of luck and good health. And the time is now appropriate for the adjournment. The chamber will adjourn now, and we will resume hearing on Monday, the 23rd, starting from 9 o'clock in the morning.
And on Monday, we will start hearing the key document presentation by the parties. This is for the information clés. For all parties concerned, as well as the support staff and members of public. Et au public. The counsel, international counsel for Mr. Kyu Sampong, you may proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais pouvoir moi aussi apporter mon commentaire, puisque si j'ai bien compris la décision de la Chambre par Madame le juge Cartwright, la Chambre prendra en compte les commentaires de Monsieur le co-procureur. Je n'ai pas eu la chance de répondre à ces commentaires. Et je pense que si la Chambre doit prendre en compte ces commentaires, le principe du contradictoire doit faire que moi aussi je puisse faire ma réponse aux commentaires de Monsieur le coprocureur, puisque nous n'avons pas la même analyse de la réponse de Monsieur le témoin. Donc si la Chambre entend prendre en compte les commentaires de Monsieur le coprocureur, je souhaite qu'elle puisse également prendre en compte les commentaires de la défense. The chamber should also take into account the defense's comments. Le président. Court officer is now instructed to assist the witness. Veuillez prendre le témoin in cooperation with the Weizhou unit avec l'unité d'appui for the arrangement of his transport back Veuillez home. Prendre les dispositions Mr. nécessaires Numal pour le ramener chez lui. And Mr. Momretir, you are now Monsieur released. You may leave the courtroom now. The chamber has other final issue of the day to discuss. La Chambre doit encore traiter de quelques autres questions. The President, both councils, if you would like to say a few words, you may now proceed. Both parties in the proceedings. Les deux parties peuvent s'exprimer sur le point en litige. Je vous remercie, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris la remarque de Monsieur le coprocureur, c'est de savoir. C'est de dire plutôt qu'il y aurait une confusion dans la manière de poser la question en utilisant le mot position relativement à Kyu Sampong. Nous n'avons pas encore les transcripts du jour, mais nous les aurons très clairement lorsque le témoin a répondu à ma question. Et quand je lui ai demandé s'il était au courant de la position de M. Kyu Sampong au sujet de l'évacuation. Dans ma traduction en français, je ne sais pas comment c'est sorti en anglais, mais dans ma traduction en français, il a bien expliqué que s'il a pu connaître la position de M. Ouyoun à l'époque, c'est parce que celui-ci lui a donné lui aurait donné cette position lors de la réunion à Wat Chengpo, et qu'il n'avait pas connaissance de la position de Kyu Sampong ni de celle de Ounim au sujet de l'évacuation. Ça a été clairement dit. Donc aujourd'hui, que l'on veuille indiquer à la Chambre qu'il y aurait une confusion possible, ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé à l'audience. Cela correspond d'ailleurs d'autant moins à la réalité de l'audience que, à plusieurs reprises au cours de sa disposition, et ça, c'est un point que la Chambre aura certainement à évaluer lorsqu'elle reverra les transcriptions d'audience, mais que ce témoin a dit une chose, puis son contraire, peut-être parce qu'il ne se souvient plus, peut-être parce que c'est confus, peut-être aussi parce que certaines questions ont été directives. Mais en tout état de cause, lorsque le témoin a répondu à ma question, qui indiquait bien que c'était la position de M. Kyu Sampong
par rapport à l'évacuation de Phnom Penh, il n'y avait, à mon sens, pas de difficulté. Donc, je trouve que la position de Monsieur le procureur, qui est de dire qu'il y aurait une confusion parce que la réponse ne lui convient pas, comme d'ailleurs la réponse ne lui avait pas convenu à un moment hier à l'audience, puisque le témoin avait indiqué dans un premier temps qu'il ne connaissait pas la position de Khieu Samphan. Là encore, ça ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé à l'audience. Je tiens à faire ces commentaires puisque la Chambre, encore une fois, a dit qu'elle prendrait en compte les commentaires de Monsieur le coprocureur. Je pense que ce sera beaucoup plus clair lorsque nous aurons l'intégralité des notes d'audience et que nous pourrons nous y référer, y compris avec celles d'aujourd'hui. Voilà les observations que je souhaitais faire à ce stade. The President, thank you. Mr. Co-Prosecutor, you may now proceed. Mr. President, I'll be brief. It's when the question elicits the answer, I did not know him, in relation to Khieu Samphan. La question, in other words, donne une réponse, the witness je ne le connaissais pas, believes that the question is addressing whether he knew Khieu Samphan or not. Le témoin pensait there was then the use of the word position. So, did you know Khieu Samphan's position, having asked lots of questions about hierarchy? All I invite you to do is to have regard to today's transcript when you ultimately consider this position, and also have regard to yesterday's transcript when at 11:28:17, not mentioning Khieu Nim at all in my question, I asked, how had you found out or discovered that Khieu Samphan was in favour of the evacuation? And the answer was, I learned about this during the assembly held at Wat Thang Po. It's a matter for your honours to have regard to all the evidence when you have the transcripts available. Thank you. Chambre de considérer le témoignage dans son entier lorsque les transcriptions seront disponibles. The President, Counsel, please. Allez-y. Proceed. Maître. Oui, je crois qu'au moins nous serons d'accord sur un point, monsieur le coprocureur et moi, nous devrons nous référer au procès-verbaux d'audience. Encore une fois, je me rappelle que si j'ai pris la précaution de bien faire état de la réponse en khmer du témoin, c'était justement parce que je ne voulais pas qu'il y ait de problème de traduction. Donc la Chambre appréciera en fonction des procès-verbaux. Et encore une fois, l'interprétation que nous avons, monsieur le procureur et moi-même, n'est pas la même. Et les procès-verbaux d'audience feront foi. Et j'en aurai terminé de mes observations sur ce point. Mr. President. The President, thank you. We would like to inform parties to the proceedings that definitely the Chamber will rely on the record of the transcript of the proceedings when the Chamber deliberates on the property value of the evidence collected during the proceedings. The Chamber will have to review all the evidence being presented during the hearing from the very beginning until the conclusion of the evidentiary evidence hearing. Enfin, de l'examen de la preuve. Without any further observation, then the Chamber would like to conclude this session now, and security personnel are now directed to bring Mr. Khieu Samphan and Nunji back to the detention facility and have them return to the courtroom by Monday, the 24th of June 2013, by 9 a.m. Mr. Nguyen Chia is directed to be returned to his holding cell downstairs where he can observe the proceedings through audio-visual link. The court is adjourned. Somjeng Grouchel. Veuillez vous lever.